Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis chargé du débat d'idées au service culturel de l'ambassade de France au Pérou. Aujourd'hui, dans le cadre des Nuits de la Lecture, j'ai envie de vous présenter un roman de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson intitulé La Panthère des Neiges. Dans ce livre, l'auteur nous raconte son périple sur les hauts plateaux du Tibet en compagnie d'un grand photographe animalier dans l'espoir d'apercevoir une panthère des neiges. Il y décrit les longues heures passées à l'affût, immobile et silencieux, dans le froid des montagnes tibétaines, une région encore préservée car difficile d'accès, où vivent les dernières panthères des neiges, mais aussi des loups et des yaks. C'est un très beau récit de voyage qui fait l'éloge de l'attente, de la patience, dans un monde où tout va de plus en plus vite. Je le recommande à quiconque souhaite s'évader un moment, vivre une aventure dans une contrée lointaine, sans avoir à prendre l'avion. Ce livre est disponible à la médiathèque de l'Alliance française de Lima et dans la bibliothèque numérique CultureTech, que je vous invite à découvrir. À bientôt!